Esaïe lui avait posé, demandé comme si. Il dit, pour que je sois sûr que la guérison sera totale et parfaite. Alléluia. Peut-être Dieu est en train de faire déjà quelque chose dans ta vie. Mais tu as encore des doutes. Alléluia. Mais ce soir, Dieu me dit, demande-moi ainsi pour que tu sois sûr que c'est au salema. Alléluia. Amen. Que cela va s'accomplir certainement comme je l'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que Dieu puisse, n'est-ce pas, faire ainsi pour que je comprenne que cela va arriver, cela va s'accomplir sans doute. Et Dieu dit par le prophète. Demande-lui. Est-ce qu'il voudrait que l'ombre puisse s'allonger de 10 degrés? Ou que l'ombre puisse, n'est-ce pas, reculer de 10 degrés? Alors, cet homme a commencé à raisonner. Il dit non, l'ombre normalement, pour que l'ombre puisse avancer, pour que l'ombre puisse, n'est-ce pas, s'allonger de 10 degrés, c'est tout à fait normal. Quand il y a le soleil, l'ombre va toujours comme ça. Alléluia. Mais pour que l'ombre recule de 10 degrés, c'est quelque chose qui ne se fait pas facilement. Alléluia. Alors il dit au prophète, je demande à Dieu, au lieu que l'ombre s'avance, alléluia, l'ombre avance de l'avant, mais que l'ombre recule de 10 degrés. Alléluia. De 10 degrés, n'est-ce pas, à l'escalier de la case. Au niveau de l'escalier de la case, c'est là où on a pris maintenant ce mystère, n'est-ce pas, le mystère. Le mystère des décrets de grâce. Que l'ombre ne puisse pas avancer. Alléluia. Mais que l'ombre recule de 10 degrés. Avancer, c'est tout à fait normal. C'est facile que l'ombre avance. Dans l'ombre des choses, quand le soleil se lève, il se couche. Mais quand il dit quand le soleil se lève, que le soleil recule encore, c'est ce que lui était en train de demander ici. Alléluia. Amen. Quelque chose qui était impossible, n'est-ce pas, à un homme naturel. Mais la chose qui était facile à un Dieu surnaturel. Ce que lui demandait, il voulait voir, n'est-ce pas, le surnaturel de Dieu. Que Dieu agisse, n'est-ce pas, dans le surnaturel. Que le degré ne s'avance pas. Mais que le degré de l'ombre recule, qu'il n'avance pas. Jusqu'à 10 degrés. Alléluia. Amen. Peut-être tu es comme Ézéchiel ce soir. Tu es en train de demander, Seigneur, est-ce qu'il y a son habit? Est-ce qu'il y a solo au sauvage là? Est-ce qu'il y a solo Bakamouane pour Salema? Oui, je te dis que tout est possible à celui qui croit. Dieu, s'il dit quelque chose, il le fera certainement. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de douter ici. Amen. Et Dieu a dit, je vais reculer l'homme de 10 degrés au degré de 15. Et Dieu l'a fait. Il a reculé l'ombre de 10 degrés au degré de 15. L'ombre ne pouvait pas s'allonger, mais l'ombre reculait jusqu'à 10 degrés au degré de la grâce. J'aime cet homme de Dieu. Il dit, l'avancement de l'ombre, c'est normal. Mais l'éclair de l'ombre, c'est quelque chose qui est impossible. Est-ce que Dieu est en train de te demander ce soir, demande-moi ce qui est impossible pour que je fasse cela. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel genre de vie. Que tu es dans quelle situation, tu es dans quel trouble, tu ne sais pas à quel sens se vouer. Dieu est en train de te demander, demande-moi quelque chose qui est impossible que je fasse cela. Alléluia. Dieu voudrait faire du bien à quelqu'un ce soir. Il dit, sans du doute, et la foi, demande-moi et je ferai. Et Ézéchias avait demandé à Dieu que l'ombre recule de 10 degrés. Et Dieu l'a fait. À combien plus forte raison Dieu voudrait le faire aussi dans ta vie. Sors dans le doute. La situation que tu as là, tu dis non, 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 non. Cette situation, il faut un médecin suisse. Il y a un médecin suisse.